All right, aïe, tout côté, ça passe, j'espère que nous en forme, guys, et rencontrer là, rapidement, sous live, ça, à soir pour nous commencer une nouvelle série que nous les High Ticket Ecom Secrets, partie 1. Partie 1, nous allons commencer dans High Ticket Ecom Secrets, là, c'est une autre forme de business que nous sommes capables de faire online, et à soir, nous allons expliquer exactement comment nous sommes capables de lancer dans le modèle business, ça, de commencer depuis aujourd'hui, ok, et formation, ça, série, ça, ou mettre marqué li, make sure que vous marquez page là pour mettre si first parce que nous avons fait série ça pour 100% gratis, ti chéri. En sorte que, en sorte que vous capable tag zami ou et inviter yo, partager live là, et puis tag zami ou pour penser que ça li même li capable aider. Ok, côté nous parle à soi de High Ticket Ecom Secrets partie 1 pour à soi. Je salue Joril qui là, je salue Karine. Féliciton Aigan et nous saluer Kevin Virtus qui branché à soi. OK? Donc, fais en sorte que tout plus pour nous capables de brancher et partager live là. Moi, je compte que le changer en pile côté. Donc, on a essayé d'adapter nous avec un nouveau l'heure qui changeait et pour nous qui États-Unis, pour nous qui Canada. On a essayé d'adapter nous avec nouveau l'heure. Mais fais en sorte que vous capables de partager live là pour que le maximum de monde capable de bénéficier. Pendant que nous avons une formation, ça que normalement, on est capable de payer de l'autre côté. Mais même nous décider de faire simplement gratuitement. Parce que si vous avez basio pratiquement, et dans détail comme vous faire advertising, vous pouvez juste aller dans le lien qui passe en bas écran là, ok, si vous voulez maîtriser dropshipping avec Google Ads, parce que nous étions croyés que Google Ads c'est une plateforme qui underused, en plus le monde pas utilisé assez, et pour le monde qui a une formation Facebook, donc le monde qui a une formation dropshipping nous, le 27 mars, samedi 27 mars, nous allons gagner une masterclass côté que nous allons parler comment peut aborder ads, ok, une fois que et Google, une fois que et Apple fin commence à faire application iOS 14 là. Et il est tellement vrai que application ça a fait que déjà souvent dans Facebook, dans Facebook Manager ou capable ouais que déjà que Facebook même lui a fait nous connaître que comment peut préparer, montrer nous et comme là dans les directement là dans Business Manager guys. OK, nous avons boire en business manager, OK. On va boire recevoir notification ça, yo dit ad sets using this pixel, par exemple pixel moi gagne sous campagne ça, yo dit que ad set qui utilise pixel ça et qui optimisé pour purchase, OK, qui optimisé pour les monde acheter, yo pral pose yo automatiquement une fois que Apple lui-même li enforce policy iOS 14 bien. OK, c'est pas un policy qui enforce pour qu'on y a, mais son policy qui va enforce très bientôt. OK, donc une sous des grands accept qui déjà marché, donc il y a tant mettre notification capable là. OK, des pour entrer dans Ad Manager, tout le monde des pour entrer dans Ad Manager capable notification ça. Et donc pour éviter ça, donc pour échec pour utiliser yon load conversion event ou bien pour chercher yon lot type de optimisation ou bien optimiser de préférence pour landing page view pour les monde venir landing page ça les monde qui fait view content etc. Donc dans masterclass là dans masterclass que nous allons gagner le 27 mars là objectif ça c'est montrer exactement comment ou même pour préparer avec ça et changement qui va le faire comment on capable continuer joindre événement purchase comment pour capable continuer à traquer comportement customer sans que ça lui même lui va aller affecter ads. OK, c'est pas le arriver pour pral dire OK qu'on y a qui ça m'a fait faut être en préparer pour connait qui sont fait avant même que l'arriver et c'est ça qui objectif masterclass que nous a fait le 27 là. Donc si vous prenez d'information fait en sorte que ou même ou pas perdu masterclass ça même lorsque n'a record li mais il est toujours préférable que au présent parce que l'au présent on va bagarre ko wè différemment on va bagarre ko tande différemment et ça capable permettre que ou venez avec des questions qui capable bénéficier tout monde qui présent yo. D'accord, sorte que préparez-nous pour masterclass ça parce que c'est pas le masterclass qui pral fired up côté que nous pral moto exactement comment même on capable commencer préparer pour changement ça au changement ta supposé faire dans business pour OK sorte qu'on capable continuer track comportement customer yo qui vraiment important pour nous même advertisers parce que si nous pas capable étudier comportement yo si nous pas capable comprendre comportement yo la vraiment difficile pour nous prendre bonne décision en dans business nous. Rappelons encore que Facebook lui même dit pas et il aide nous comprendre comportement il aide nous comprendre intention. D'accord, il pas aide nous comprendre intention mais simplement aide nous comprendre comportement. Donc c'est là qu'on prend comportement on capable garder OK derrière comportement ça qui intention qui vient d'elle si mon acheter mettre produit en panier si mon arrivé qui commence à faire initier check out et commence à mettre information pour acheter produit et puis là ils vont compter pour l'acheter il pas fin acheter il fait abandon il fait abandon cart OK
ou capable à partir de là ou target customer de différentes façons, parler avec de différentes façons. OK, objectif là c'est pas pour nous parler de ça à soi, c'est juste pour nous être capable animer ou même qui une formation conférence pour pas perdre masterclass ça et surtout pour une information ou capable rentrer dans formation si ça les même son bagage que ou bien sûr ouvrez maîtriser Google Ads, ouvrez comprendre Facebook Ads, ouvrez comprendre Google et Pinterest Ads, et bien tout ça est dans formation ou capable lien qui cap passer en bas écran si ça c'est un bagage qui intéresse. Donc après tout on est là directement sur même, OK, et après nous allons entrer dans formation, nous allons entrer dans série assurant étiquette e-com secrets première partie hein, depuis assurant là commencer qu'on y a là, OK, nous allons montrer pour qui ça moi préféré moi décider changer business moi et shift dans étiquette dropshipping au lieu que moi continuer à prendre des produits qui plus ou moins comme tout le monde est ensemble avec yo, mais pour qui ça nous pas nous préférer aller qu'on y a un étiquette dropshipping qui sont bas que même recommander tout, d'accord. Donc on décide de faire formation ça, faire série ça, nouvelle série ça gratis, il va gagner 5 parties là-dedans et dans deux parties à soir là, nous va commencer avec introduction, hein, montrer exactement comment vous jouez un produit, montrer comment vous capable étudier marché hein, avant même qu'on décide ou même commencer lancer business sous. M'a saluer Marie Aimée, m'a saluer Marco Sœur, bon bagaille, bon bagaille Marco, Yumi qui a soir Jimmy Castin. OK, de Vincent Simon, Manus, ça gagne autant par au bonheur, ça gagne autant par bien content d'eux, bien content voilà soya, Ricardo qui là soya, Aristor qui là soya, et c'est tout côté et puis nous gagne Robinson Paul, moi m'étais présent pour même tout bonheur pas. OK? So, on aller rapidement nous parler sur tableau guys, nous parler sur board là et nous parler sur présentation à soya. Kevin, vous faites pas au en retard, nous fait commencer. So, on aller dans présentation à soya là et pour nous capable OK, qui ça qui a étiquette dropshipping e-com secrets. Ça c'est première partie, on va retirer bannière yo là en bas écran pour nous capable profiter de contenu, c'est ça qui est important. On va retirer ça, all right, et on va retirer ça tout. OK, donc parce que on a tout le monde capable voir écran bien ouli et qu'on a nous aller directement dans présentation à soya. OK, on capable dire si nous ouais écran très clair, si tout bas est clair pour si écran pas trop petit, moi recommande mettez et téléphone en mode horizontal et nous aller rapidement rentrer dans le sujet à soya. OK, est-ce que nous capable confirmer moi que nous ouais écran guys dans commentaire yo, yes, dis-moi si nous voyons écran est-ce que nous voyons si nous voyons écran, dis yes dans commentaire yo et en même temps tout fait un plaisir partager live là, ba nous love là, partager live là, tag vos amis, tag vos familles, qu'on pense qu'il y en a qui capable bénéficier de formation, série formation gratuite ça. Est-ce que nous capable voir écran clair? Est-ce que nous capable voir texte qui écrit sous ça yo? Est-ce que nous voyons très clair? Juste dis-moi ça guys avant que même que nous lancions. En attendant que m'apprenne un commentaire, nous allons mettre sous mute, nous allons faire un relais là. All right, OK, moi commentaire yo, merci pour tout le monde qui dit que yo capable comprendre, yo capable d'entendre que yo ouais très clair. OK, à nous aller qu'on y a directement dans présentation. OK, étiquette e-com secrets, OK. Toujours arrivé avec zami ou Guy Laurent Verrier. OK, à nous commencer. D'accord. Pour les barres là, nous aller rapidement dans l'étude bail, ça nous pas pour aller dans pile théorie. OK. Nous allons de commencer d'abord avec sélection produit, product selection. OK, ça c'est critère pour capable sélectionner produit pour genre de business ça, business model ça. C'est toujours même dropshipping là, OK, mais nous juste n'a passé non l'autre catégorie, nous aller n'a fait n'a aller monter dans business ça dans un autre niveau. All right, donc premier bagage on besoin produit qui au minimum pour vendre pour $200 et moun que n'a target particulièrement dans modèle business ça, c'est moun ça qui dans classe moyenne monter en haut. Nous pas les trop moun qui trop gè kobyo, OK, parce que moun ça on dit des fois c'est difficile pour gérer, yo besoin comprendre par là mais pour beaucoup pour petit soin particulièrement parce que yo habitué avec genre de bail ça yo. Mais nous besoin moun qui entre classe moyenne et upper middle class, j'en relais dans l'anglais. C'est moun qui entre classe moyenne là ou bien nous capable dire classe moyenne avancée, OK, c'est pas trop moun qui dans classe élitiste là, mais c'est pour qui plus dans classe moyenne là et classe moyenne avancée, et nous gè raison nous pour ça parce que moun qui pi ba yo nous
connaît, il a cherché à acheter bagaille qui bon marché et généralement c'est peut-être fait mal, OK, parce que les jeunes bagaille qui bon marché et ceux même qui gagnent dans plein plus, il y a plus retour, il y a plus et charge back et au moins plus refund, OK, et mon gars qui dans élitiste là extrême mieux. En sorte que le gars dit extrême mieux c'est éviter on a juste pour bon milieu. D'accord? Et pour gars monde qui dans classe élitiste là qui des fois habitué à être au petit soin tout côté aller monde prend au petit soin et le monsieur madame et tel, OK, il voulait pour même pour prendre au petit soin pour toute bagaille pour faire pour de A à Z. Donc moun sa ou pas chercher aussi éventuellement y acheter sous business sous, OK, tant mieux, capable toujours servir yo, OK, c'est important, c'est capable servir yo, mais c'est pas ça qui focus ou dans modèle business ça. Donc minimum on chercher pour vendre produit en $200 moun qui dans classe moyenne avec classe moyenne avancée, hein, OK, et troisième bagage là ou besoin make sure que produit va faire les pas un produit qui saisonnier, OK. Et qu'on y a là, pour qui ça, ou capable de dire, pour qui ça, on suppose, à l'avec prix côté, produit que minimum dans les $200, pour qui ça, prix est important, ah, parce que c'est même effort, souvent, on produit, quand on a un produit $10, quand on a un produit $600. En un point exemple, ok? On a dit qu'on va vendre un iPhone charger, ok? Prix moyen, un iPhone charger, pour vendre actuellement, on a les $10, qui doit même plus bon marché, ok? Et, mais on a pour l'autre produit là, qui sont Electric Fireplace, ok? Electric Fireplace là, prix moyen, ni, c'est $600. Ok? On a dit qu'on y a, que 1000 moun visite site ou an. Et puis, ou gon taux de conversion de 1%. Ça fait que, ou fait, le taux de conversion, c'est quantité moun qui achete. Ou gen 1% moun sur chaque 1000 moun qui vin sur site ou an, ou gen 1% qui achete, ça veut dire qu'ou gen 10 la avant. Alright? Ok? Donc, souvent, si c'est site iPhone charger qu'on fait, ou vend 10 la vente, donc ou fait $100. Mais si c'est site côté que ou gon niche website, OK, quand on fait high ticket products ça qui c'est electric fireplace là ou brand website là, OK, ou vend 10 electric fireplace, ou fait $6,000 revenu. Donc même les où t'as vendu un seul fireplace par jour, faut que t'as vendu 60 chargeurs iPhone pour faire même comme là. OK, ça veut dire plus client, c'est plus client pour même pour gérer, plus problème potentiel que client ça va ba ou que va gagner. OK, et si un pourcentage là dedans, tu as décidé que yo pas satisfait avec produit. Si un pourcentage là dedans, tu as décidé que y a demande de retour, y a demande de refund, etc., y a demande pour supporter ou bailler customer support, etc. Donc principe là avec mon business ça, c'est on va que moi même appeler les less is more, OK? Moins c'est plus. Moins souffert, plus ou bien. Moins souffre un côté, c'est plus le bon côté. Donc c'est moins client qu'on capable servir, c'est plus freedom que pour le bar. Moins moins produit obligé vendre pour faire un bel cob, c'est plus freedom donc on gagne dans processus là pour même pour faire l'autre bagarre avec temps ou et en même temps tout qui capable permettre que on enjoy business ou. Donc c'est pratiquement même bagarre là parce que nous allons utiliser exactement même plateforme niveau fait marketing, Google principalement, Facebook en deuxième, ou qu'à utiliser Pinterest tout, ou qu'à utiliser Instagram dans modèle ça tout, ou quand même à partir de modèle ça mettez Facebook Shops directement connecté avec store là et nous allons pour nous parler dans série ça tout de Facebook Shops, OK, pour montrer comment on capable commencer yon business dropshipping, peut-être sans que vous soyez obligé de gagner un website avec simplement Facebook Shops, OK? Donc, c'est dans ce sens-là pour lui-même l'important, OK? Parce que vous faites exactement le même effort et si conversion lui-même sous le site ça, donc vous avez le résultat pour l'effort qu'on mettez, hein? Donc vous préférez $6,000 au lieu de $100. Ou même préférez vendre un seul fireplace par jour, OK? Vous préférez vendre un fireplace par jour au lieu que m'essayer de vendre 10 iPhone charger chaque jour parce que avec un fireplace que me vendre chaque jour, je vais faire plus comme et mieux de vendre 60 chargeurs pour me faire exactement même comme là. OK? Donc ça c'est principe là. Quand il y a qui côté pour joindre idée produit. Réponse là c'est Google, d'accord? Mais pour ça, on besoin assurer que ou utiliser yon VPS ou bien yon on VPN, d'accord? VPN moi utiliser assez ExpressVPN, nous capable nous capable là en bas écran là c'est lui même que m'utiliser il est ExpressVPN pour capable make sure pour connecter sous États-Unis parce que nous allons faire principalement marketing sous États-Unis à moins que dans pays côté il y a Google Shopping, OK, parce que nous allons principalement recommander de commencer avec Google Shopping modèle business ça qui marche extrêmement bien avec Google Ads qui marche extrêmement bien avec Google Shopping. Et bien si vous Chili, si vous Brésil, ou qu'a toujours utiliser modèle business ça ou juste besoin comprendre principio et chercher apprendre comment pour joindre bon supplier pour même pour faire business ou capable d'une supplier qui sous place déjà sans que ou pas nécessairement obligé à travailler avec supplier qui sortit la Chine avec supplier sous AliExpress. All right? OK? Ou bien si vous même aux États-Unis, ou capable directement travailler avec les supplier que nous bon en formation, les supplier ça que nous allons montrer encore à Konya là dans présentation live ça. OK? Donc puis bon zamo pour capable joindre idée produit, lire les Google. Il y a l'autre plateforme nous allons montrer encore, nous allons parler de Facebook ou okay, des magazine, OK? Mais ou capable commencer directement avec Google. Mais pour utiliser Google, moi, je recommande de commencer à utiliser
yon souvent travail sur les focus sur market États-Unis hein sur les focus sur United States OK comme market pour commencer OK et que nous toujours recommander moun commencer là parce que puis faut l'argent c'est l'allié OK même lorsque dans l'autre marché par exemple Chili Brésil gagner en pile bon petit coup de cop tout ka rouler là-dedans yo donc ou capable toujours évaluer opportunité cost ou garder en fonction de ou même pour OK qui ça fait plus sens pour vous il juste besoin de prendre temps pour faire recherche pour jeune bon supplier peut-être dans localité cotoyer hein dans pays cotoyer hein qui prend lui même peut-être beaucoup habitué avec modèle dropshipping là par exemple monde qui Brésil monde qui Chili yo et on a beaucoup habitué avec modèle dropshipping là mais peut-être son bagage sous aborder ou bien c'est un bagage qu'on a décidé explorer ensemble avec ou à partir du moment qu'on capable montrer que ou qu'on soit fait ou comprendre marketing qu'on va le faire et on capable montrer comment on capable faire plus business parce que au final tout entrepreneur tout business qui est sérieux c'est ça à chercher il a cherché plus exposition pour produire il a cherché pour capable générer plus revenus et souvent capable aider générer plus revenus à partir de business pour là bah pour qui raison pour t'appeler faire ensemble avec vous ou juste besoin qu'on ait comment pour aborder yo bien donc ou aller sur Google ou commencer chercher en tant que nous prenons comme exemple electric fireplace d'accord donc ou vin ou love electric fireplace là ou pour aller côté qui dit shopping nan, là donc le côté flèche dans pointé hein ou aller dans Google shopping pour regarder résultats shopping yo et ou pour lister ou pour filtrer produire en fonction de prix toute bagaille qui entre 250 et 450 dollars parce que premier aller jusqu'à 250 dollars maximum ou capable toujours garder là dans tout parce que pas oublier que moyenne minimum nous demander pour produire on est supposé vendre 200 dollars au minimum et ou capable juste simplement aller là de 250 à 450 dollars et puis vous commencez à garder quelques produits là et puis vous prenez ou mettez dans une liste ou ouvrez un Google Sheet ou ouvrez un Excel ou un Notepad OK idée hein, c'est que faut vous prendre note de que produit quoi ouais qui fait sens pour et que ou même vous pensez que OK c'est produit ça intéressant ou juste prendre ou beaucoup vraiment nous beaucoup à parler là de étude de marché OK nous beaucoup d'où à faire produit là ou juste à faire brainstorming pour mettre idée sous papier OK pour dire OK mon petit produit jeune qui est intéressant mon petit produit ça intéressant et puis ou juste prendre ou noter d'accord. Donc, vous êtes capable de garder quelques modèles là, et puis juste garder prio, garder où ça aurait été prio intéressant, ou vous pensez que vous êtes capable de vendre très bien, ok, ou juste pour aller sur vous et puis ou noter, d'accord? Donc, ça qui est important lorsqu'on fait recherche ça, ok, important c'est là où faire recherche ça, au lieu de regarder prix moyen qu'on est capable de vendre produit. Hein. Plus prix moyen, les mêmes niveaux, ça veut dire que c'est plus en même temps tout, où qu'on est capable de toucher une audience, ok, qui, de monde, ok, qui, ou capable d'attirer bon client. Parce que pas oublier que, n'a essayé de focus sur monde, ça qui est dans classe moyenne et classe moyenne avancée, hein, ok. Et là, généralement, dans le groupe ça, où je viens de clients qui, pas généralement en m'aidant, c'est pas monde qui parle de demande pour pouvoir produire en tournée, c'est pas monde qui parle tout tapement de, qui parle de chargeback, ok. Okay? C'est où attirer plus bon client dans le business. Donc, plus prix moyen qu'on a dans le produit, on garde un produit, bon idée qu'on a. Et peut-être, si on fait recherche ça, ou pour n'importe quelle idée que vous avez, ou garder dans Google Shopping, pour capable garder en premièrement, prix moyen combien il y a. D'accord? Donc, plus prix moyen qu'on a dans le market, ça m'a parlé prix moyen, average price. Là. Ok? Plus prix moyen qu'on a dans le marketplace, là, l'élevé, c'est plus qu'on est que, ok, ça a son bail qui est assez intéressant, m'est capable de faire, parce que là, permet moins capable d'attirer un plus bon quality customer. Parce que vous besoin d'attirer quality customer et qui voulait produire là, et qui, bien sûr, déjà connaît que prix produit ça, pour prix produit, il est prêt pour le mettre en premium pour le payer pour un produit de qualité. Ok? Parce que de toute façon, on va aller pour deal avec supplier qui a bon des produits de qualité. Ok? Qu'on va pas aller pour trop réfléchir si le produit est bien fait, si le produit est bien fait, si le produit crasé, etc. Parce que brands ça généralement produit ça c'est des brands qui sont là déjà et même juste à chercher plus monde qui peut avoir plus business, qui peut avoir plus visibilité ou même juste paraître pour présenter comme un entrepreneur, ok, qui est capable d'avoir plus visibilité. Et en même temps, déjà, si vous avez une expérience dans e-commerce, vous êtes capable de montrer monde ça, parler d'expérience pour y avoir un store qu'on a déjà, quand vous avez sur Amazon, quand vous avez sur eBay, quand vous avez vendu sur store dropshipping ou déjà, ok, soit avec Shopify, vous êtes plus à l'aise pour faire business avec vous. Et dans la série, ça nous va pour nous parler de partie légal qui est en rapport avec business ça parce que genre de compagnie ça yo pas fait business avec individu m'a répété ça encore genre de compagnie ça genre de brand ça yo pas fait business avec individu yo fait business avec l'autre entité légale, ça veut dire qu'il faut qu'on gagne un LLC, il faut qu'on gagne un business qui est enregistré. Ok? C'est une des raisons que moi, je recommande nous tout le temps, toujours, même si on ne peut pas le faire en lien avec lui, make sure ou gagne un business qui est enregistré parce qu'il est capable d'ouvrir porte pour. Donc, lorsqu'un business qui est enregistré, ou il y a un number, ok? Il y a un, on va même besoin de payer pour lui encore, nous mettons une vidéo sur page, je vais arriver un matin, hein, ou bien après-midi, en quoi, ok? Côté, on montre exactement, grâce à Johanna qui te voit le lien pour nous, côté, nous montre exactement comment ou même ou capable faire IAN ou gratuitement pour qu'on tout directement sur site IRS là. Ok, quand on fait là, il y a un tout immédiatement. On va même pour tant pour ça, mais il y a juste longer le bas immédiatement. Ou juste
besoin de temps qu'on a pour envoyer certificat lettre en bas ou nos adresses quand même ou by iOS pour envoyer le pour directement États-Unis si vous pas gagne famille États-Unis ou capable juste acheter une adresse virtuelle directement une adresse que dans différents sites qui ba adresse pour États-Unis. OK, donc premier principe là encore guys, c'est garder al sur Google, prendre une idée qui intéresse ou web soit peut-être dans magazine ou bien une idée qui vient dans tête ou de produit, garder sur Google pour voir si monde a fait produit ça, si que monde qui a vendre produit ça sur web off sur Google Shopping principalement, besoin rester off sur Google Shopping et bien sûr garder prix moyen pour web produit. En plus prix moyen plus haut, c'est plus intéressant parce que lié de comprendre plus bien combien marché a voulu payer pour produire, hein, qui est vraiment intéressant. OK, les bonnes chances pour faire plus profit parce que yo fait business ou pas faire business directement avec fabricant directement et profit margin là, li généralement entre 20 à 30% dans modèle business ça. OK, qui est vraiment vraiment intéressant et puis ou attirer bien sûr plus bon client, OK, qui moins emmerdant et moi expliquer nous déjà pour qui ça. D'accord? Pour qui ça? Parce que premièrement et bon client moun sa ki nan classe moyenne avec upper middle class là, OK, moun sa ki nan classe moyenne avec classe moyenne avancée, hein, OK, yo gagne ça relé HHI, c'est household income en anglais, donc yo gagne revenu qui substantiel entre 60 000 à 250 000 dollars, yo remè payé cash et c'est des moun tout qui acheté émotionnellement, yo wè un bagay yo remè li acheté, c'est généralement comme ça réfléchir, OK, mindset moun sa yo c'est que yo wè un bagay yo remè li acheté, OK, website ou bien sûr il suppose inspirer confiance. Après pour nous tourner sur partie website là, pour ça va l'important sous choisir faire modèle business ça pour un website qui inspire et brand là, qui inspire qualité, qui inspire un bagage, un format qui supposé respecter un certain format. On va vraiment parler de lui, OK, qui vraiment vraiment important parce que monde ça là un bagage que remet et yo remel, yo juste acheter, OK? Et en plus avec genre de client ça yo, ou gain moins risque pour yo voyer produit à tourner et généralement monde ça gain plus que $700 de disposable income. Disposable income ça veut dire que gain $700 yo pa gagne à faire avec chaque mois yo au moins donc $700 surplus qui rete yo leur fin fait toute dépense leur fin mettre leur fin payer toute bill yo gon $700 que yo gagne qui rete en surplus et généralement moun sa qu'on utilise comme ça pour juste acheter un bagage que yo wè bagage là yo remet et puis yo juste acheter. OK, donc objectif nous c'est pas que nous même nous pral créer demande là, nous pral porter un offre by demande là, parce que pas oublier encore nous je dis ça, c'est pas chercher un client pour produire là, c'est chercher produit pour client, parce que ou déjà qu'on est que client chercher mais ou juste qu'on a même pral présenter comme un monde qui porter une offre supplémentaire sur marché. OK, donc j'espère que ça fait sens pour nous par rapport avec comprendre pour qui ça nous chercher particulièrement attirer classe de clientèle ça. OK, qu'on y a nous pral entrer dans partie étude de marché, on va faire market research. OK, il y a différents critères que vous même supposé considérer, mais là moi ba ou six principaux critères. Premier bagage vous supposé garder, pas supposé gagner, yo pas supposé loyal à aucun brand. Si vous ka poser cette question dans niche là, est-ce que bon brand que me connaît que tout monde connaît ou bien moun ou ka citer un brand, un marque que ou connaît qui fait produit, hein? Donc ça veut dire que c'est pas niche, ou pas supposé entrer dans niche ça. Aussi simple que ça, OK? Ça c'est seule façon pour connaître, son simple question poser tête ou non niche pour connaître que OK, pas gagne monde qui bra loyal à un brand en particulier. Par exemple, on va pas rentrer dans niche côté moi vendre souliers, on va pas rentrer dans niche pour pas connaître, on va pas rentrer dans niche côté moi vendre souliers de sportif par exemple, on va pas vendre souliers sportif ta pour dans gamme Nike a fait, on va pas vendre souliers pour monde qui besoin jouer basketball, OK? Peut-être on va rentrer dans l'autre gamme de souliers pour l'autre sous niche mal non sous niche, OK? Par exemple pour monde qui travaille cuisine qui fait tout le temps recamper sous deux pieds, pour monde qui fait donc des fois t'as vraiment t'as fait un type de produit qui est assez créatif pour monde qui médecin, OK, t'as fait un bagage par exemple ou font un type de chaussette pour monde qui besoin qu'on ait comment pour faire acupuncture dans pied parce que chaussette elle peut être design côté qui côté pour toucher en bas pied en sorte que capable toucher point qui est important ça que pas obligé pour autant, OK, apprendre c'est des experts en acupuncture et ben chaussette elle tout forme en bas pied et puis tout montre mais qui pour toucher dépendamment que qui ça ressenti qui douleur que gagne, donc on capable aller dans petit bagage ça, OK, mais ça demande un paquet de créativité tout au niveau de produit quoi faire, demande de créativité tout au niveau de marketing, OK, mais nous même nous juste besoin porter ba client pas bien, nous juste chez besoin chercher produit pour client, nous va chercher client pour produit, nous va chercher produit pour client, nous qui ta connecter chaque client avec sa client besoin déjà, c'est juste porter le bali, donc nous pas va chercher pour aller entrer dans niche côté que mon loyal avec un brand en particulier, nous juste besoin assurer nous que là nous poser cette question, est-ce que bon brand qui dans niche ça que mon déjà loyal ensemble avec lui pour réponse ou capable catégoriquement non ou bien pas
bon réponse directe parce qu'on n'a peut-être pas qu'on niche là, on n'a pas un monde qui ont intérêt particulièrement dans niche là, mais éventuellement, ça me recommande, c'est faire en sorte qu'on capable parler avec un monde éventuellement qui a peut-être ou qui a posé la question pour dire, hey, m'en connais tel bagaille, qui marque ou généralement acheter, ce qu'on marque particulièrement ou remet. Ok, si on n'a pas qu'à répondre à une question ça, ça veut dire que pas une loyauté non plus à un brand en particulier, je juste remets produit leur dans niche là, et leur bagaille, yo remet, m'en connais dans classe moyenne, m'en connais nous encore. Classe moyenne avec upper middle class là, classe moyenne avec classe moyenne avancée, le on bagaille, yo well, yo remel, yo juste acheter. OK? Donc c'est client ça nous-même n'a chercher qui paraît gain loyauté non plus avec aucun brand. OK? Ensuite, on suppose assurer que produit lui-même lit dropship friendly. C'est-à-dire est-ce que ou ca dropship li? Nous vraiment exactement comment pour assurer est-ce que ou ca dropship produit hein? Ou juste besoin à évaluer compétiteur, regarder about special shipping and return policy. Yo. Est-ce que capable jeune au minimum 15 supplier? Nous avons liste de supplier que nous t'ai ba nous déjà, OK? Mais espère que nous tirer profit de lui, ok, m'a montré nous lui encore dans live ça, et pour assurer que vous le recherche pour principaux mots clés, il y a entre 5 à 20 000 ou bien plus, ok, 5 à 20 000 pour yon gen mot-clé ou bien combinaison de mot-clé. Une combinaison de mot-clé qui va gagner 20 000 recherches sous lit. Et puis, ou pas supposé gagner plus que 20 compétiteurs dans le produit que vous voulez faire, ou bien dans le listing, dans le monde qui vous met dans le listing pour même produire. Et puis, nous supposé checker si gagnez un MAP. Qui est-ce qui est MAP? Hein? MAP, hein, son minimum advertised price. Excusez-moi d'abord, petit lot. Donc, malgré que vous retournez sur tout le bail, ça, qu'on y a dans la vidéo, ça, même de juste vous montrer nous. Et point yo, c'était point pour nous. Donc, premier bail, vous avez compris déjà. Donc, vous avez gagné brand loyalty. Donc, vous n'avez pas supposé loyal avec un quel marque dans le marché. OK? Donc, on a dit que, vous avez fait un produit en cours. Et ça, c'est mon autre bail. Je vais fermer ça là. Parce que là, je vais ouvrir PN. Non. Fermez ça. On a dit que vous voulez faire electric fireplace là, ok? Donc particulièrement même par un monde qui connaît bien marché electric fireplace là, nous juste connaître que son niche qui est vraiment intéressant parce que là on produit ça au moins prix moyen, nous avons prix moyen, ok? Assez élevé, 699 000, 1076, 599, ok? Bah ouais, rien là qui pi bas que 2 000 $, qui pi bas que 200 $, à exception de Tiba et ça, ok? Même regardez là en moyenne prix que nous voilà yo, ok? C'est des prix qui sont vraiment intéressants et nous avons préféré à la gamme prix de produit ça qui au-dessus de 200 $, ok, pour m'assurer que un moi fait belle profit margin sur lui et m'assurer tout mon client que me connaît qui prêt pour payer un premium pour produire ça et clientèle ça me connaît que me capable servir le pilier parce que je déjà connais ça à acheter, ok. Donc première question supposée était tout est-ce que gagner brand loyalty, ok. Donc si vous pas répondre à la question ça ou bien qu'on nos amis qui peut-être un monde qui connaît bien ça très bien ou poser leur question et puis si elle pas bonne réponse sur brand que lui même les connaît on marque lui généralement acheter, donc ça veut dire que par exemple brand loyalty et là on y a capable commencer fait plan pour même pour rentrer en dans niche ça. All right? OK. Deuxième élément que nous t'ai mentionné hein, c'est assurer nous que le dropship friendly. Comment on peut le connaître si un produit que même vous voulez faire les dropship friendly. D'accord? Pour assurer que le produit lui-même est dropship friendly, ou juste besoin aller directement sur Google Shopping, ok. Comparer là, après, ou toujours, les compare prices, ok. Ça, c'est brand ça, c'est Touchstone. Nous, on a brand ça qui est le Duraflame, ok. Ou on a brand ça qui est le Comfort, ok. Ou on a brand ça qui est le Ameriwood, ok. Parce que, ça fait me dire c'est brand là, parce que c'est format ça, Google exige au écrit type produit, ok. Donc, il exige au loi, écrit type produit, faut commencer avec type, avec brand name que produit, mais moi, vendre, ok. Parce que si plus produit, c'est pas pour lire, supposé mentionner brand name là, dans type produit. Ça, c'est Google qui exige format ça, ok. Leur fait type produit, et ou ap fè genre de produit sa à côté que ou ap travaille avec on compagnie que vous représentez et qui bon permission pour même pour capable dropship produit li, d'accord. Donc, et eux-mêmes, ils sont prêts pour travailler pour faire dropshipping ensemble avec vous. Donc, vous êtes supposé mentionner brand name produit dans le premier mot qui est dans le titre. Et après ça, vous avez l'autre caractéristique qui est vraiment importante. Après, pour nous retourner sur ça, lorsque nous avons parlé de comment pour lister produits, même nous avons nos premiers poules là, et ça fait capable de connaître, ok, ça fait me dire nous rapidement, ok, mon brand là, ça c'est Comfort, ça c'est Ameriwood, ok, ça c'est Comfort encore, ok, ça c'est Ledgestone, ok, ça c'est Home Decorators Collection, Granville, ça c'est Home Decorators Collection, Granville, c'est peut-être comme ça, bon, ça relé, et donc ça qui relé Evolution, là, right? Donc, on a dit que moi intéressé avec Comfort, ça, ok, qui a 72,99 $, donc, ou besoin, ouais, ok, donc, et ou besoin, ouais, est-ce que Game Moon, est-ce que le produit, ça lui-même, est dropship friendly, ou besoin, ou pensez que le produit, ça est intéressant, il est dropship friendly, donc, ou pas venir là, on va chercher, cliquer côté qui dit Compare Prices,
OK, et là là, même et là là, nous t'avait à l'heure que tu dis que les 5 nous retourner là, OK. Des fois qu'on veut les dit les c'est 5 monde seulement qui a bon produit, hein. Pas prendre pour penser que oh, c'est 5 store seulement qui a bon produit parce que pas oublier que il y a un critère que moi dit que ou pas supposé plus que 20 compétiteurs, d'accord? Il pas supposé que plus que 20 compétiteurs, d'accord? Pas juste garder penser oh, ça c'est seulement m'a mettre dans liste moi, moi elle fait produit ça. Non 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 non, OK? Faut pour aller pour garder dans liste parce qu'il dit 5 plus, OK? Il dit 5 et plus, OK? 5 et plus. Donc ou capable garder ou capable prendre temps tout pour garder pour généralement combien de compétiteurs qui gagnent sur chaque listing aller dans différentes pages qui gagnent sous directement sur Google là OK il y a plusieurs pages là mais l'offre intéressé faire un produit make sure que vous capable vérifier OK combien fournisseurs ou bien combien store qui a exact qui a exactement offert même produit hein. OK n'a pas retourné sur Comfort là là donc ou juste cliquer là sur Compare Prices OK pour comparer avec pour voir combien store qu'a vendre et là nous capable OK il y a plus que 6 stores donc 1 2 OK donc 1 2 donc Home Depot donc Walmart là Best Buy and Beyond a vendre même bah la Camping World a vendre Wayfair qui sont gros dropshipping store 90% 99 oui 90% pour du store ça c'est dropshipping lié mais c'est high ticket dropshipping OK nous avons eBay donc ça là OK donc nous capable liste là là OK donc nous 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK. Nous avons 15 là-dedans. Et si vous regardez dans l'autre listing, tout, comparé avec l'autre listing, pour en moyenne, OK, qui quantité compétiteur qui gagne dans la niche. Et ça est important pour garder parce que pas oublier que l'on va faire ads avec Google Shopping, ou pas le compete contre tout le monde, ou pas le compete éventuellement sous même keyword là. Donc, moins ce monde qui gagne, qui a bon même produit, qui a bon même brand là, pour même keyword là, c'est plus chance pour gagner, pour avoir plus visibilité lorsque ou même on fait advertising avec Google. OK. Parce que j'ai pas oublié, comme dit nous, que genre de produit ça, il marche très, 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 très bien avec Google Shopping. OK. Donc, ça est même vraiment important. Donc, l'envie dans la liste là, vous regardez, vous besoin, est-ce que m'bac a joué un produit là qui t'a semblé, un store qui t'a semblé peut-être un dropshipper, OK? Par exemple, nous avons Red Death qui l'a, nous avons My Cooling Store qui l'a tout, OK, qui ont un nom qui doit, ça c'est Zoho qui sont l'autre gros store, nous avons AirGod.com qui sont l'autre gros, qui paraît un dropshipping store. Donc, vous juste besoin d'aller sur store, ça, on a dit d'aller sur RedDeath.com là, et nous cliquer visit site. OK, donc on va pas depuis on parle sous site dans là depuis sous format, on va voir que pratiquement les semblait éventuellement avec un store dropshipping que nous même habitués ensemble avec lui. D'accord? Celle-ci bah que moi la moins que prix, je gagne côté de là 8 def $58.46 $58.46, all right? OK. Donc moi n'ai vendu à la en très 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 bas prix. OK, et là on va montrer ça peut-être qui va aider nous comprendre question IMAP là, OK. Pour ça, map là est important, minimum advertised price, OK. À des fois capable de d'outils IMAP. Si on dit IMAP, ça veut dire que internet, OK. Ça c'est pour produits qui vendent seulement sur internet, d'accord. On va dire internet minimum advertised price. C'est exactement ça. On va peut-être dire IMAP ou bien map, OK, c'est internet minimum advertised price ou bien si on dit map, c'est minimum advertised price. Et on va expliquer nous qui ça est et pour ça avec à des fois là où est que on met prix minimum qui supposé advertise pour produit pour ça sont bonne option lié pour vous parce que les ça les pas prix minimum, OK, moun a égoumé pour prix par exemple pas oublier que Google Shopping, li tant qu'on une plateforme tant eBay, li tant qu'on même changer une plateforme tant Amazon côté pricing là il est vraiment vraiment important. Donc après marquer ta toute nèg là on mais pour prix, 1072, 1069, 1070, 1075, 1070.70, 1069.99, 1075.99. Donc ça finit pas trop intéressant parce que tout le monde a apprécié Goumen pour prix. Pour prier en genre, vous voulez appeler Goumen pour rejoindre clic là et éventuellement convert customer. Donc, il est préférable que m'entrer dans un produit côté que moi que gagne un IMAP ou bien un MAP, minimum advertised price qui appliqué. Côté que moi gon prix minimum que pas gagne calé plus bas que ça. OK? Souvent que gon prix, en majorité de monde qui parle plus bas que ça. Donc, ça sont bon bagarre parce que pour connait que pas gagne monde qui descend plus bas que prix ça. OK? Donc, il est tout obligé de vendre un petit casse piché. OK? Tout le monde obligé de vendre plus haut parce que pas qu'à descendre plus bas que prix ça. OK? Qui vraiment, vraiment intéressant parce que laisse ça ou assure que quel que soit chaque passé ou même je ne prie à un produit, on va toujours faire profit margin sur lui. OK, on va toujours faire profit margin sur lui, même dans l'état vendu exactement bah qu'on est à même prix que le déprendre là, à moins que n'est que ça même t'a fait comme balle là sous shipping. OK, à moins que n'est que t'a décidé faire comme balle là sous shipping là, mais laisse ça même on connaît que ou pas perdu parce que gon minimum advertised price on laisse on capable assurer pour être OK gon minimum prix qui appliqué. Donc, m'a pas de problème, m'a pas perdu du tout, OK? Même quelque soit prix n'est pas dans l'air, mais on était fait $30, on était fait $40, même qu'on m'a toujours fait profit, même si c'est $10 me fait ce produit, même si c'est $20 me fait ce produit, ou toujours voulu faire plus que ça, bien sûr, toujours voulu assurer pour faire entre 20 à 30% profit, donc parce que c'est possible.
OK, mais avec IMAP là, ou assure que ça que ou pas grand kin bagage, ou pas gain rien qu'on a perdu parce que tout le monde obligé respecter prix minimum là parce que c'est fabricant même qui exige ça. Depuis ou pas respecter prix minimum là, fabricant dou ou pas ka vendre pour lui encore, il va dans business avant encore. All right? OK. Donc l'ovin là, ou regardez page ça qui là, ou est envoyé monsieur Assemble pour dropshipper et on façon pour vérifier ça facile, OK? Pas bien comme dit là, OK, allez dans about us, allez dans shipping and return policy, OK? Ou besoin aller dans bail ça yo, ou dans about us yo, OK, page yo. Bon, so, ou besoin assurer que ça va pas gagner un warehouse, yo pas gon côté physique côté bonne produit. Si pas gon côté physique côté bonne produit, ça veut dire que you have drop ship produit. OK? Aussi simple que ça. Si pas gon côté physique y a bonne produit, ça veut dire que y a drop ship produit. Donc n'a regardé là nous que pas gagner une adresse. Yo quoi adresse physique là côté que obligé mettre parce que Google l'exige ça, faut qu'on mette une adresse physique côté site ou doit opérer business ou, mais est-ce que moi adresse physique côté que même yo ship produit. OK? Nous elle dit we are a professionally retained team who possesses professional expertise, rich experience, and unlimited credibility. Double checks quality for making delivery besides guaranteed quality. We provide the most reasonable price to do for ourselves. Blah, blah. As soon as your package is out of our door, you will receive an email informing your tracking number. You can start tracking. This has great customer service and so on. No matter the issue, we're always to serve. Okay. Donc, on va dire trop là, mais il paraît que, pas quoi que vous directement gagnez produit dans un warehouse, yo, ça va être difficile. En regardez qu'on y a un return policy, yo. Okay. The return policy, it must be postmarked within 14 days. You have 14 jours pour mon envoyer produit. Okay. Et nous voyons que recipient. Okay. Okay. Mais il dit qu'on a un return address. Okay. Il demande pour vous le nom return address. Ou juste besoin de vérifier. Est-ce qu'il y a une adresse qui là? Okay. C'est une adresse qui là. Okay. Donc, nous regardons là. Nous voyons que 664-94, blablabla. OK, nous 64-94-47-4-4 Illinois. Très probablement, il y a un dépôt quand vous recevez un produit, vous recevez un retour, vous gérez un retour, et après ça, vous négociez avec le supplier. OK, mais a priori, pour moi-même, directement, Nexao, il est très probablement semblé que c'est un dropshipping store que vous faites. OK, must be in original condition. OK, regardez-moi, you may return us via the carrier of your choice, but we recommend obtaining tracking on your package. OK, any items that appear to have been worn, altered, tags removed or received by us after the return period will be returned to the customer as the customer's experience. First, return receiving return items will be donated to charity of our choice. Okay, okay. Donc, il est très probable que next hour là, parce que moi, il dit que faut mon montrer que d'abord, confirmer que il y a pouvoir produire un tourner, produire supposé pas grand ken damage, pas supposé grand ken problème là-dedans, pour même plus capable de recevoir produire. Donc, les opposés conditions ça, généralement, c'est parce que le produit on peut aller négocier avec supplier et produit, hein, ok, pour assurer que je n'ai un remplacement. Ok, donc très probablement, next hour même, il fait dropshipping. OK, donc ou juste besoin de faire exercice ça, aller avec différents suppliers pour quoi qui dans niche là nous pour un deuxième pour là voilà, nous campingworld.com, on nous pour l'autre là qui paraît weird if my cooling store, OK, on a checké sur my cooling store là. Free shipping, OK, comfort zone. OK. Nous va aller dans about us page là. Comment ça dit? Microstore.com is the world's premier resource for personal cooling, the best selection of cooling fans. OK, next up, plus ventilateur audio van. Bah, on est dans l'autre bail encore. Today, a lot of people feel comfortable and a priority. OK, il y a un corporate office, OK, il y a un office qui physique, OK, qui présent, OK, qui pas nécessairement un warehouse, OK. Donc très probablement Nexa même YouTube, il y a un corporate office mais pas un warehouse, donc très probablement il même yo dropship produit ça tout. OK. Donc début que dit corporate office, c'est-à-dire un bureau côté que au travail, mais il pas nécessairement warehouse côté que même yo recevoir ou bien un produit. OK. On regarde pour nous ergo.com. OK, ou juste faire cet exercice ça pour est-ce que pour son poser que potentiellement que ou capable de dropship, est-ce que capable et en pile fois tout. OK, en pile fois l'autre des sites ça yo. OK, donc pour ça il y a trois qui étaient en stock, free shipping. OK, bien pour ton jeune ça là sur site ça, à nous garder contact about us avant en ouvrant l'autre fenêtre pour pas perdre ça. OK, so always regarder c'est que pour nous chercher
ça, ou capable en même temps tout ouais déjà à qui brands yo travail, qui autre brands yo travail ensemble avec yo. On serait capable prendre blitz brands ça ou mettre dans liste, ou font liste de brands ça, chercher alors sur site brands ça, toujours numéro de téléphone, contact, email, sorte que on capable commencer à reach out pour commencer à joindre, à contacter différents suppliers ça que potentiellement si yo fait dropshipping avec nex ça, ça veut dire que même yo get très probablement yo va faire dropshipping avec tout. C'est aussi simple ça, c'est aussi simple que ça. Sous ça veut dire que sous je non site, OK, qui a fait dropshipping. OK, ou est que nèg là, les produits c'est dropship lié et puis ouais, et dropship li fait. Et puis ouais que ou aller en côté ouais que OK, différent brand que le travail ensemble avec, le vin là ouais, brand que le travail ensemble avec lui. Donc ça veut dire que brand ça autre très probablement a travailler ensemble avec. OK, c'est en façon pour joindre tout supply, c'est pas vraiment compliqué pour joindre supply. OK? OK, donc nous avec monsieur là Ergod, il dit que is an e-commerce website. OK, e-commerce website, donc ça veut dire que monsieur c'est dropship, li dropship, li pa gen yo présence physique, li pa gon local. Donc pi fwa produit que li gen yo c'est dropship, dropship yo qui sont excellent exemple qu'on y a ça on fait l'on fin prend produit hein, qu'on y a juste à regarder là dans extra, regarder qui brand monsieur travaille, à qui bon de travailler ensemble avec yo. OK, qui t'a donné un exemple là où OK, très probablement il est clair que monsieur son e-commerce website li gen, li pa gon warehouse, li pa gon présence physique en côté. OK, côté la ship produit yo ou bien côté la recevoir retour, et ben à partir de là on va regarder OK, à qui brand monsieur travaille, regarder list brand ça yo. OK, et très probablement brand ça yo même y a voulu travailler ensemble avec tout, ou capable mettre dans list brand qu'on est capable considérer pour rentrer exactement dans même niche, dans différentes niches que le gen yo. Et là un paquet d'idées de brand que négalé même travailler ensemble avec lui, ou juste prendre liste ça, commencer faire recherche sur chaque brand et puis quelle liste de brand ça, juste chercher nos brand là. OK, chercher nos brand là, par exemple Tabasco. OK, monsieur travaille ensemble avec Tabasco, Dove Soap Bar. OK, monsieur travaille avec on va connait qui l'autre encore. OK, chaque brand peut travailler avec en fonction des différents critères, ou alors je connais éventuellement qui quantité de temps qu'on gagne online, qui quantité d'expérience qu'on gagne, est-ce qu'on gagne expérience de succès déjà, des fois qu'on demande pour ouais expérience de succès dans l'autre business. OK, donc capable de trouver l'autre business online, par exemple un business Amazon, un business sur eBay, ou bien on t'a fait ou t'es déjà commencé font store dropshipping et moi capable juste montrer yo expérience business qu'on gagne. Mais c'est pas tout qui m'a dit ça, c'est ça qui est beaucoup plus exigeant qu'on vraiment focus sur expérience. Idée c'est contacter le plus que possible, mais pour nous bah nous série ça template pour capable utiliser pour juste copy paste, juste remplacer nos compagnons. OK, et puis juste copy paste et puis pour avoir email massivement bah différents suppliers ça yo, et puis ça qui répond yo qui veut faire business ensemble avec vous à partir du même qu'on répond avec tout critère que vous gagnez yo, donc ou juste commencer ensemble avec lui et on capable commencer mieux de difficile là ces jeunes suppliers ça qui vous approuve qui ensemble avec vous. Après ça reste là il pratiquement facile. OK, allez sur Google, roulez à Google, Google Shopping et ou assurez que vous gagnez produit de qualité qu'on fait, que vous connaissez que monde qui n'en né ça yo déjà prêt pour acheter yo, ou juste besoin assurer que vous gagnez website. Par exemple là les membres de website ça définitivement, nous sommes capables de faire un travail qui est plus bon que ça, nous sommes capables de faire un travail qui est beaucoup plus intéressant que le travail que nous avons fait là sur le site ça. OK, nous regardons les couleurs, nous regardons l'autre bail là. Nous faisons un travail qui est pas mal du tout. OK, nous sommes là longtemps, c'est vrai. Mais, OK, définitivement, au niveau de branding, nous pensons que nous sommes capables de faire un travail qui est beaucoup plus intéressant que ça. Donc, c'est ça, tout besoin de garder. Vous besoin de garder dans la niche, dans comment choisir. Hein. Est-ce qu'il y a un loophole? Est-ce qu'il y a un espace vide? Est-ce qu'il y a un qui relativement ou qui gagne relativement en bad marketing? Est-ce que relativement ou marketing n'a pas un bon niveau? OK, est-ce que par exemple pour garder un lien qui passe qui mal pour est-ce que regarder homepage, regarder logo nèg yo. OK, regarder homepage là. OK, est-ce que yo bien présenté produit? Est-ce que vous sentez que au niveau de optimisation, OK, pour garder type produit, est-ce qu'il optimiser gens là supposé optimiser. OK, bien sûr Google lit bon certaines réglementations au niveau pour capable optimiser un petit produit, mais regarder lui, est-ce que vous sentez que ou même vous capable faire un plus bon travail que ça. Donc là pratiquement c'est pas rien de compliqué du tout, guys. OK, il a dit que nous qu'on connaît que monsieur c'est dropshipper, donc en pile dans brand que la travaille ensemble avec yo, très probablement il y a veut travailler ensemble avec ou juste jeune brand qui dans niche ou même qu'on voulait rentrer hein, ou qui dans sous niche ou même qu'on voulait rentrer hein, commencer contacter yo et puis bâton chocolat. All right, donc ça c'est une façon rapide pour capable vérifier est-ce que niche ça li c'est dropshipping, li dropship friendly, d'accord. Donc, ou assure tout que au minimum vous avez 15 suppliers. Déjà moi débat nous liste ça pour monde qui dans formation dropshipping IQ Academy hein, e-commerce dropshipping IQ Academy hein. OK, moi débat nous liste suppliers ça que nous gain en dans formation. OK, et liste ça c'est seulement pour monde qui dans formation. Donc si on dans formation, OK, donc on gain accès avec liste ça ou gain accès avec liste de suppliers ça yo, encore donc capable juste venir là et puis taper niche cotoyer hein, taper dans qui catégorie lié
quatre catégories, OK? Est-ce que c'est furniture? Est-ce que c'est health? Est-ce que c'est fitness? Est-ce que c'est team sport? Ça va dépendre de qui sont fait. Et puis, juste taper catégorie 1, vous venez là, vous faites search, vous tapez catégorie 1, et puis vous voyez qui différents suppliers. Au moins, à ce qu'on va vous donner une quinzaine de suppliers dans la liste qu'on est capable de contacter. Ou bien encore, pas oublier, il n'y a pas tout supplier qui dans la liste qui n'est pas complet. Sous un compétiteur, qu'on voit que ou est Lisbonne, ou assure que compétiteur, là, j'aime te dire tout à l'heure, ou assure que compétiteur, là, ou assure que Nexa, OK, il paraît que c'est dropshipping qui fait parce que le bagon warehouse, le bagon présence physique en côté, et vous capable de garder Lisbonne qui est là, avant, ça m'a avec lui, et vous capable de faire ça, prendre l'ISA, juste chercher information sur le bread, là, font liste complet avant même qu'on va le contacter. Pas juste à le contacter une par une, OK? Font liste complet, mettez nom bread, là, app website, li, numéro de téléphone, li, email, li, OK? Email, moun qui dans le département marketing, là, OK? Et puis, vous finissez une liste complet comme ça, vous prenez tout email, vous mettez un seul côté, et vous capable de blast email, là. Blast ou email ou de vous et bah tout le monde net, ok, pour ou capable de commencer à bâtir relation avec supplier yo, et ça crée pour nous, ça crée faire business ensemble avec vous, ça qui besoin plus business, ok, y a prêt pour vous travailler ensemble avec vous, alright? D'accord. Donc, encore une fois, pour moun ki nan formation, pas oublier. Nous gen li ça. OK, ou capable juste aller là-dedans pour capable commencer sous li, joindre super. C'est exactement format ça moun commande nous respecter pour list guys. Ouais que nous gen nom, nous gen catégorie, OK, nous gen lien, OK, nous gen numéro de téléphone, qu'on ka rele, email, location qui côté yo, adresse yo, OK, et mettons ti note, OK, qui ça on fait exactement. On capable juste aller dans about us là, petit partie copie et puis paste. OK, c'est aussi simple que ça. On va pas faire plus que ça, c'est juste aller dans about us là, petite description sur site là et puis vous venez là au copy paste adresse là, généralement adresse sur sous site yo, d'accord, il y a adresse sur homepage là, il y a adresse en côté directement sur site là, soit dans return policy ou bien dans refund policy, on capable joindre adresse compagnie et vous juste pour adresse là au copier et puis ou directement mettre dans liste ou un, OK, et après l'offre une liste complète ou qu'on est capable de commencer à contacter. La liste complète, relativement à niche quoi faire, hein, et puis qu'on est capable de commencer à contacter, vous email bio, et puis ou même éventuellement tout si ça possible pour tout, moi je recommande yo en coup de fil parce que dans email dans tempête nouvelle bah nous on va permettre dire au bon numéro de téléphone, il est vraiment important qu'on numéro de téléphone 1-800 et une application qui aide en pile que on a mis passé fréquemment dernièrement là pour ça, application ça s'appelle Ding Tone, bon, moi c'est me déjà montrer nous là. OK, application ça élément pile parce que avec application ça moi capable gagner numéro de téléphone US OK gratuit. OK, mais là le Ding Tone, bah utiliser Anveo encore, juste aller sur Ding Tone et permettre qu'on capable gagner yo bon différents crédits ou acheter plus crédit mais ou gagner crédit pour capable gagner numéro de téléphone gratuit, non seulement recevoir téléphone ou non seulement recevoir appel. OK, ou capable voir tout SMS, d'accord, ou capable voir tout SMS ou juste venir là. OK, still paying for phone calls. OK, on regarde là. OK, on est venu aller pour faire premier appel ou gratuit. OK, vous faites premier appel ou calls between 20 minutes Ding Tone users already. OK, tout appel qui moins que 20 minutes yo gratuit. D'accord? Donc voilà. Donc ça veut dire que vous faites en sorte que baron on va obligé parler chaud avec supplier, on va parler chaud, OK? Pour pas d'accord? Donc moi nous là nous capable utiliser application ça. OK, pour nous-mêmes pour nous capables et gratuitement commencer contacter supplier. Donc application encore, li rele Ding Tone. Nous capable là mais logo hein, guys, Ding Tone, DINGTONE. All right? OK. Et Eric, ou dit mon supplier. OK. Pour moi qui pas gagner le supplier sur dans formation Facebook là et Eric c'est dans qui dans c'est dans mon ça. Donc m'a fait en sorte que mettre le dos dans formation Facebook Ads là parce que quelqu'un dans monde qui te demande ça. De juste oublier faire ça. Donc, m'a fait en sorte que moi-même, moi, mettez li tout directement pour moun qui n'a formation Facebook Ads IQ Academy. Pour dans Facebook Ads IQ Academy, ou même tout, ou li supplier ça, si ou bien une formation Facebook là, ou bien une formation Dropshipping IQ Academy. Alright? OK. Qu'on y a que ou fin joindre, j'espère que nous avons eu comme, qu'on y a qu'on fin joindre en 15 suppliers. Ou fin assure que ou genou minimum 15 suppliers qu'on gagne qu'on a contacté ou assure en même temps tout que mon volume de recherche pour mon clé principal là, OK, il gagne entre 5 à 20 000 recherches par mois ou bien une combinaison de mon clé ça. Donc on pas besoin trop fatigo, OK, ou juste besoin aller sur Google. OK, ou juste besoin aller sur Google, sinon chercher la electric fireplace, OK. OK, mon extension Chrome ça qui est le keyword surfer, OK, ou qu'a utiliser extension Fire comme ça qui a bon une idée de volume recherche mot clé ça, OK, moi là, OK, regarder electric fireplace, il va venir là keyword surfer, make sure que vous avez bon base de données, hein, make sure que mettez base de données États-Unis.
Et ça a permis que vous capable rapidement ouais OK qui vaut le mot clé recherche mot clé rien OK mon petit journal là pour petit temps excusez-moi vous capable utiliser ça ou bien vous capable utiliser tout Uber Suggest OK ça sont notre plateforme que vous utiliser gratuitement tout Uber Suggest OK pour monde qui connaît lui Uber Suggest OK de Neil Patel et vous allez faire recherche il capable évaluer mot clé là bon paquet l'autre données encore sous mot clé mais il a Uber Suggest keyword free free keyword tool ou bien une autre plateforme que m'utiliser tout que moi m'utiliser qui est SEM Watch OK donc on SEM Watch là on va faire 10 recherches sur lui par jour par device c'est-à-dire que on va faire 10 recherches sur computer on va faire 10 recherches sur tablette ou on va faire 10 recherches sur téléphone ça fait un total de 30 recherches par jour OK donc il y a 10 recherches gratuites par device OK donc si vous voulez sur plusieurs devices qu'on va utiliser donc on va faire 10 sur ordinateur on va faire 10 sur tablette ou on va faire 10 sur téléphone ou on va avoir une chance pour évaluer niche ou évaluer keyword yo avec plateforme ça donc on va utiliser Uber Suggest mon commande nous Uber Suggest et dernier que mon commande nous pour monde qui pas connaît lui il est SEM Rush OK et SEM Rush il a un excellent blog si vous voulez apprendre plus de digital marketing si vous voulez apprendre plus de SEO si vous voulez apprendre plus de organic traffic OK SEM Rush il pratiquement on valeur c'est un univers d'information sur qui Jean Google fonctionnait pardon sur qui Jean Google fonctionnait sur qui Jean organic traffic fonctionnait comment pour optimiser site ou OK pour capable joindre plus ou capable plus signal par Google possible pour commencer joindre organic traffic OK n'a pas pour parler dans série ça de organic traffic parce que en pile fois mon là commencer genre business ça ou pas gain code OK ou pas nécessairement gain pile code pour commencer faire marketing parce que en pile fois tout keyword ça yo qu'on assez expensive OK parce que nous on sait de go brand de go bagaille cap goumer pour même keyword ça par exemple après là electric fireplace il gain 246 000 recherches par mois OK average coût par clic là de 89 centimes on t'a mettre 20 centimes sur lui juste pour sûr OK on dit que $1 OK donc ça veut dire que sous faut ta convert sous fait 20 sous fait $30 sur produit ça OK et sous chaque sous jeune 30 clics ou pas vendre ça veut dire que pratiquement on perd du quoi OK sous jeune 30 clics ou pas vendre on perd du quoi donc vous voulez assurer que vous capable vendre plus à partir de une quinzaine de clics parce que on connaît OK si me paye une dizaine de clics là coûte $1 donc me paye $10 pour chaque produit que me vendre et puis profite n'est moins il était $20 OK donc ça c'est le calcul que vous supposez faire tout lorsque vous considérez niche là à qui point expensive pour faire advertising dans niche là pour tourner sur ça tout OK dans prochain là on va pas tout bail à soi mais ou juste besoin garder OK différents keywords qui gagnent yo OK qui met qui reste des volumes recherche que vous gagnez là nous avons OK là nous même vraiment safe que différents keywords ça gagne pile volume recherche on pas besoin aller des top keywords là nous juste besoin assurer nous que vous capable optimiser pour keyword que vous gagne plus chance pour même pour capable rank d'accord ou assurer pour pour optimiser listing et optimiser page produit ou pour qu'il y ait côté ou même ou plus chance ou capable OK Uber Suggest capable aider en pile dans ça OK parce que l'homme était la tenta electric fireplace OK Uber Suggest capable aider en pile dans ça Okay. Donc, on croit que bah, les quantités limitées de recherche qu'on fait, juste make sure que vous registre for free, ok? On peut faire quantité de recherche qu'on voulait sous lit, si ou même vous enregistrez for free, et vous allez plus en profondeur pour analyser mon client, pour analyser compétitif. Mon client, est-ce que c'est mon client qui est facile pour rien organiquement? Est-ce que c'est mon client qui va le plus couteau? Qui va demander plus qu'on mette advert pour mettre budget en advertising? Donc, il fait toute analyse ça, et on t'y casse là, parce que guide, excusez-moi encore. Il fait toute analyse ça en sorte qu'on comprenne plus bien qui, word ou même, ou va optimiser pour lire. Et puis, SEM Watch tout qui font excellent travail dans ce style. C'est juste pour le temps, on commence à habituer avec la plateforme ça, garder quelques vidéos sur yo. Yo gagne en pile information qu'on est capable de leverage, ok? Et, m'kwè que SEM Watch même gagne un style. Le SEM Rush University, OK? Quand on a parti sur ça, nous allons aller sur lui. Nous avons parlé de notre blog là, il y a des webinaires que vous organisez régulièrement et puis il y a SEM Rush Academy, que vous êtes capable d'apprendre plus sur SEO, sur apprendre plus sur comment Google fonctionne et en même temps comment pour optimiser et puis faire PPC directement sur Google, OK? Donc, de toute façon, non, série ça, il y a c'est bas où yon big picture de bagaille et donc on prend ça qui est important yo et détail yo, ok? C'est pour mettre effort, c'est pour mettre temps, bien sûr, pour qu'on apprenne à maîtriser yo, c'est pour qu'on soit capable de commencer.
commencer lancer business ou si bien sûr ou décider faire ça, OK? Parce que tout bail là c'est ou même qui vous voulez, c'est pour décider si jour arrive pour vous, c'est pas même, OK? M'a fait toutes les formes pour me partager maximum d'informations ensemble avec vous pour me capable mettre sous bonne ligne là, sous bonne direction, vous allez comment capable continuer faire route là et vous capable finir par parvenir à succès comme moi chercher hein. Et là ça étant donné que vous mettez effort là, vous mettez temps tout, OK? Vous tirer toute expérience là et fierté que ça va le bas pour partager expérience surtout pour partager connaissance surtout avec l'autre monde qui peut-être après ça prend le besoin de service ou qui prend le besoin comme vous capable bailler yon comment pour parce que idée c'est ça qui principe là, OK? Yon monnaie d'eau et même fait même bagarre là pour l'autre tout pour capable aider yo avancer en sorte que nous capable générer richesse là ensemble. All right, so nous parlait déjà de minimum supply là, nous montre volume recherche yo, OK? On pas même besoin de penser avec Google Keyword Planner, outil que nous montre pratiquement capable, OK? Et en même temps tout, vous supposez assurer qu'on va gagner plus que 20 compétiteurs lorsque vous regardez monde qui a bon produit, nous montre ça déjà. Et nous te parlons déjà de IMAP là qui est vraiment important. OK? IMAP là, c'est lorsque vous venez ou regardez l'esprit, est-ce que vous avez un prix minimum qui est appliqué? On essaie ouais, c'est nous capable joindre un exemple là pour nous être capable ba ou pour nous être capable faire ça clair pour comprendre ni. OK? Nous te capable prendre n'importe dans ça là pour nous est-ce que un IMAP qui est appliqué sur lui. On nous prend par exemple flamme en nous regarder sur Google Map éventuellement sur nous cliquer sur compare prices. OK, donc la façon de gon minimum, OK, ça 219 219 226 214, OK, ta semble à exception de monsieur, m'a connait ça que fait monsieur les mêmes les un prix spécial, mais ta semble que tout monde ça là ta semble gon minimum que respecter parce que n'a pour là item price 219 219, pas gen moun là, il y a deux moun là qui parlent puis bas que 219, monsieur qui a l'on petit casse 214, ça dit que peut-être prix en là il parle moins que ça. À nous cherchons l'autre, ça t'a peut-être plus expliquer ça n'a plus dire là. OK, même m'espère que nous comprenne idée hein, ou supposer que bon prix que plus fort moun parle puis bas que prix ça, OK, pour que plus fort moun parle puis bas que prix ça. Donc dès que moun yo parle puis bas que prix ça, donc ça veut dire que ou devant un cas un classique cas de IMAP côté que nèg yo supposé respecter yon minimum prix. Là je nous cas classique comme ça de IMAP côté que respecter un minimum prix, ils sont bon bagaille parce qu'on connaît que les ko pa vle ou pas perdre sous prix pour dire. Moi pense que nous jeune là qui très 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 clair, excellent excellent excellent. Là pour là 499, on regarde que modèle ta Touchstone sideline là. OK, les 499 499 499 499 pour prix pour dire 499 499, pratiquement nèg ka fait comme yo là, il a fait comme sous shipping. OK, à exception de qui c'est peut-être monsieur là shop chimney, OK, m'a connait monsieur qui doit peut-être prendre produit en acheter faire volume avec nèg en pile et puis on va mettre un discount spécial, OK, qui fait que le carquet des prix à 499, mais on marque là puis fort moun là pour prix produit yo kembeli à 499, yo va monter plus beau que 499, ça qui montre que pour produit ça ou gagne un IMAP. Et même je non produit comme ça son produit de préférence, me préfère aller avec produit ça parce que me connaît que si me fait un $50, si me font $20, mettez en plus sous lit, OK, ça c'est un bon $20, un bon $50 me fait. Parce que pas gagne monde cap goumer pour prix qui pi bas, OK, nous pas aller nous pas font nivellement vers le bas parce que nous capable goumer, nous capable chaque qu'on a fait marketing yo, donc nous capable convert et leur convert, OK, ou connaît que ou capable faire yo bon profit sous produit. Donc c'est ça me développer comme case on point pour montrer nous exactement ça que yo relé à IMAP là. All right, j'espère que nous comprenons ça. Donc voilà, OK, pour ce qui a trait avec étude de marché. OK, donc comment pour qu'on est, ma fonte si retourner sur ça là pour nous et pour nous parler de comment pour qu'on est que ou target bon client yo. OK, pour target bon client, ça sont questions peut-être que nous capable connait pour nous va poser, mais qui comment qu'on pas connait que me target bon client yo. Pour bah que me ta recommande faire, c'est utiliser Google et Facebook Audience Insight, d'accord? On va utiliser Facebook Audience Insight, d'accord? OK, quand vous utilisez Facebook Audience Insight pour ça, OK, avant Facebook tenait ça relé household income, il était en catégorie que ouais household income, mais à cause d'un problème qui était venu gagner avec département Homeland des États-Unis, là que venir retirer bail ça, on est pas capable ouais OK qui quantité cob moun qui dans niche ça pour un intérêt particulier, par exemple là venir la mettre fireplace, baga boy qui quantité intérêt qui baga défini OK qui quantité cob moun ça gagner, OK, avant tenait ça, mais avant ça depuis 2018, nous connaissons que retiré par ça. On regarde Electric Fireplace, il paraît. OK, il paraît là, moi, c'est un local business. Il n'est pas supposé local business, c'était supposé. OK, Electric Fireplace, on regarde Electric Fireplace. On va tirer Fireplace pour moi qui size que l'audience là est. On regarde 10 à 15 millions, 450 000, donc ça, c'est son business que lié. On prend Fireplace en général. OK, Fireplace. OK, boom. D'accord. Donc nous avons 10 à 15 millions de monde là. Donc comment on capable définir OK quoi parler avec bon audience, parce que pas bien que nous besoin monde qui dans middle class and high
et puis qui dans upper middle class, ok, moun qui gagne income, qui gagne disposable income, qui gagne assez cob dans poche, ok, et moun ça nous connaît que les yo bon bagay yo remen yo juste acheter, et c'est pas moun non plus qui pas tout à boche à payer en main d'eau, ok, qui pour customer support, ok, ça nous voulait éviter ces extrêmes, ok, extrêmes yo puis bas avec sac pio, sac pio elle besoin traitement spécial, sac pi bas lui-même, ok, depuis cob il sent il a perdu, ok, devient problème avant, ok, donc ça ou besoin éviter extrême ça, donc là, on vient là, on regarde dans qui page moun sa yo like, ok? On regarde qui page yo suive, ok? Parce que page sa yo dit très clairement, yo attire une certaine audience, ok? Donc, à chercher pour ouais, ok, là, on vient dans page likes, qui page moun sa yo suive, et que ça, bon, on idée assez clair, ok? De qui ça moun sa yo, mais est-ce que y a acheté bagaille de luxe? Est-ce que c'est des sites côté qu'on voit que vous vendez des produits qui ont t'y casse, qui ont t'y casse paraître haute de gamme, avec des prix qui assez élevés? Par exemple, ouais, moun sa yo remet, par exemple, il y a mes Kohl's, ok? Qui parle, il y a mes Michael Stores, ok? Bah, ça, c'est des Michael Kors, ok? Et je vais regarder qui l'autre côté, passe le temps encore. Ok? Il y a acheté Bed Body Bath, Bath and Body, and Body Works, qui pratiquement à disposition tout, poche tout le monde. Bath and Body Works, je vais regarder pour nous. Voilà, Crazy Lady, de son site là qui est intéressant. HGTV, ok? OK, ça sont bas et tout là ouais mon dans sens ça que tu vois c'est mon qui de la droite right wing OK OK on va regarder autre gens conservatifs Paul Ryan OK donc ça vous comprendre plus ou moins audience on regarder exactement OK qui ça mon ça remet OK et au capable on y a ouais OK qui prix est-ce que qui prix éventuellement vous pour payer vos produits mais exercice qui puisse simple là me rappeler nous encore c'est juste aller sur Google OK là aller sur Google regarder prix moyen qui appliquer sur produit là regarder prix différents compétiteurs yo regarder average price là qui prix moyen ouais mon y a payé même même prix ça qui la net 699 1199 1076 599 ça bon net et pas oublier que résultat ça même c'est même qui paraît dans top résultat recherche sur Google OK lorsque mon a cherché ou venir là là mon en shopping OK mais là venir là dans all dans tout résultat yo OK ou ta supposé résultat shopping Google shopping yo paraît dans top résultat yo là ou bien paraît sous page dans là sous côté qu'on y a yo paraît là sous côté page là OK donc c'est une bonne option parce que mon résultat ça yo généralement c'est au même mon yo tendance cliquer premièrement avant même que vous cliquez sur résultat organique yo OK et ça va permettre que au jour où monde calé sur site et c'est surtout hein on va vous expliquer dans prochain là quand vous faire cette série ça c'est surtout un élément approprié yo et bien pour finir par une chance pour capable at least convert yo monde qui prend acheter dans mon et idée c'est pas acheter convert un paquet monde OK même si conversion ta 1% j'ai noté dit on va essayer chercher van et c'est 60 et charge iPhone pour qu'à faire $600 OK ou capable vendre un seul fireplace et même faire green fireplace ça qu'on vend là et mettre $600 dans poche avec un profit margin de 20 à 30% OK donc ça sont on excellent méthode guys pour capable définir OK et audience ou garder average price vous voulez payer et puis en même temps tout sur Facebook audience insight OK garder OK page suivre OK qui magazine que li et un peu pour comprendre démographique là OK on l'autre bagaille tout OK lorsque nous parlons de Facebook ads OK on l'autre bagaille que nous avons fait tout OK si vous parlez de Facebook ads pour target audience on a bien pour retourner sur ça OK Facebook ça le fait qu'on y a yo ingénieusement mettez information pour pas gain qu'on y a dans audience insight là pour nous capable joindre directement leur fait targeting ou directement sur Facebook ou capable juste venir là ou aller dans ou venir là pour faire browse ou aller dans directement dans demographic et dans demographic ou aller dans financial et dans financial chercher income ou capable target moun sa yo en fonction de zip code yo parce que là nous gen top 5% zip codes ou gen top 10% zip code OK ça c'est zip code que yo connaît côté gen moun qui gen plus cob nan men yo OK vous connaissez que moun ki plus moun ki pi affluent yo connaissez dans zip code ça c'est dans code postal ça yo moun sa yo vive OK parce que tout zip code aux États-Unis par même zip code yo connaît que qui vaut plus que l'autre dépendamment de qui zip code ouvre ou du ko gain yo connaît est-ce que moun ki dans middle class est-ce que c'est dans upper middle class est-ce que c'est dans classe moyenne est-ce que c'est dans low middle class est-ce que dans middle class du coup ou bien est-ce dans upper middle class ou bien est-ce que dans élite OK donc on capable décider l'on venir là directement on capable target moun sa yo en fonction de income de zip code de courrier hein, ou juste venir là ou dire que m'a top 5% là m'a comparé là avec et vous font l'autre ad set vous comparé avec top 10% là ou vous font l'autre ou fait trois vous capable faire quatre ad set différents là OK pour chaque groupe ça pour OK qui côté ou joindre puis bon résultat et n'a pas que Facebook il va aller plus haut que 50% OK il pas aller plus haut que 50% donc capable prendre chaque audience ça pour target yo une fois que ou même commencer
ou t'avais, si vous avez utilisé Facebook, ou même l'offre commencer à faire ads pour target audience ça, mais nous-mêmes nous recommandons, ok, bien sûr, toujours commencer avec Google Ads, parce que genre de produit, ça y est, y'a marché très, très bien sur Google, parce que les gens qui ont venu les résultats Google, they trust Google. Me rappelle-nous ça encore. Yo trust information Google pour tes barrières, yo vont juste cliquer sur lui et yo prêt pour yo. Ma fè yon backtrack sou product research parce que m konnen m sot mon parti nan étape ça. OK, on l'autre côté ka balé, on va faire que nous konnen en que m remet en pile pour chercher produit, c'est Amazon, OK? Juste sur Amazon, tape niche ko ou même monter sans appel là et puis commencer garder produit qui attire attention, OK? On va juste venir là au filtrer au par prix, ou dire on prend tout bas qui au-dessus de $200 et pour commencer garder et puis pour mettre dans liste pour garder brand là, OK? Ça c'est Walker Edison, Glenwood, ça sont brand. Nous bien ça c'est Ashley, ça sont notre brand encore, OK, et puis pour Mbak que Ashley travaille avec dropshipper, nous avons besoin de temps noir avec yo parce que y a un store yo déjà, y a un big store yo, OK, ou besoin qu'il y ait des brands que ou connaît que qui pas gain qui pas présent qui pas conseil de gros store dans différents states, dans différents états États-Unis, OK, si vous pas gon idée de ça, vous grave juste font une recherche sur brand là sous nom pour voir, font une recherche pour est-ce que vous présent, est-ce que vous plusieurs locations côté que n'est ça présent, côté que vous n'en ca juste aller là l'entrée dans magasin l'acheter. Soit que vous n'avez pas plusieurs locations côté que vous présent, côté que vous n'avez juste entré dans le magasin d'acheter. Donc, ça, c'est un brand pour même pour capable de décider pour travailler ensemble avec lui et puis commencer à chercher information sur lui. OK. Aller chercher le brand là directement sur Google. OK. Juste taper directement, taper le nom produit et puis pour exactement qui quantité de monde a vendu, respecter tous les critères qu'il a. OK. Respecter tous les critères qu'il a. Assurer que vous capable de jouer plusieurs suppliers de cabaoul. Des fois, manufacturant, il fait produit, mais il travaille avec différents distributeurs. Ou juste besoin d'une quinzaine de distributeurs qui ont besoin de produit. Je ne sais pas. Dans critère, assure qu'on pas plus que 20 compétiteurs. Si on a IMAP, c'est tant mieux. Si pas un IMAP, mettez sûr que prix ou lui-même est plus compétitif et assure tout que l'obga des compétiteurs, que en pile là-dedans, tout à dropshipping, about us, dans shipping et dans return policy. Assure là, nous couvrir deux parties ça, yo. Nous couvrir comment pour faire sélection produit, comment pour évaluer marché hein, et comment. Si yon produit li vaut la peine pour capable dropship li nan metta business ça que nous relé e-com i-ticket e-com secrets nan i-ticom i-ticket e-com dropshipping, OK, konya n'a fini là pour aujourd'hui guys, OK, pas grand plus compliqué nan bagay là, OK, pas grand rien plus compliqué, ça ou juste besoin commencer faire là c'est commencer chita mettez temps pour faire recherche ou mettez temps pour mettre données pour chercher données sous produit ou sous brand yo que ou capable passer et puis commencer chercher données sous différents suppliers qui capable bon produit hein. Ou gon liste déjà pour même qui n'information ou gon liste capable aller ensemble avec qui a facilité la tâche, sinon on va juste commencer battre liste pour joindre supplier qu'on capable dropship déjà, OK, et puis l'oral sous site yo et juste venir dans partie ça là cliquer sur brands, OK, et c'est même information, c'est exactement même travail ça même que me fait dans liste que me bail là, OK, juste prendre temps même là juste pour temps tout donc capable juste finir par gain liste pour but ou prêt faut qu'on prêt pour mettre temps pour faire li et pas attendre tout le temps que juste son monde qui pote bail en bas ou son plateau en argent, juste mettre temps pour même pour faire li et une fois qu'on fait li travail ça donc capable s'ouvrir après revendre li ça faire mon pure pour gain ensemble avec li et you, OK, nous même nous décider bailler l'espanois directement gratuit à monde qui d'information yo et pour monde qui d'information Facebook Ads là qui peut qu'on gagne nous peut qu'on mettre li en monde tant Eric donc n'a bété l'islan directement pour sous dans d'information et dès demain matin. So, voilà guys, pour jodi là nous couvrir partie ça là donc nous couvrir là en une temps rapide. So OK, et nous quitter nous fini avec partie ça pour matin là. Est-ce que nous avons des questions guys? On regarde est-ce que nous avons des questions. C'est tout le monde qui a des questions. Je suis bien content de voir chez Marcellus. OK, Jimmy, bien content de vidéo, il y a un intérêt de dis Joanna merci tout. OK, parce que c'est vous le bon moi. OK, il y a Edzia Louis Charles, il comprend le principe là, c'est le principe 20-80 loi par retour, hein? OK, vous faites moins d'efforts pour gagner plus de résultats là, donc, OK, c'est pas la loi du minimum effort non, mais c'est qui bagaille pour faire moins d'efforts mais qui bon maximum résultat, OK, même moi dit less is more, OK, moins vous faites et pour gagner plus on l'autre côté, less is more, OK,
So, j'espère que ça t'a aidé nous, OK? Donc qui côté vous pensez dans les États-Unis ou quand je ne supply ça yo? Et pour m'expliquer comment vous jeune supplier déjà, OK? Ou quand aller sur liste sur site compétiteur qui gagne brand ou garder qui brand que vous gagne et sur l'information et demi ou une liste pas nous capable commencer servir ensemble avec liste pas nous. C'est même liste nous utiliser pour être pas nous, nous va retirer rien là, nous pas une liste secrète nous que nous utiliser, c'est exactement même liste là. Nous pas capable servir avec tout supplier pour compte pas nous. Donc on va servir ensemble avec et tout sous vous. OK? OK. OK. Excusez-moi, est-ce que vous payez Sington à plan? Est-ce que vous obligez de payer chaque mois pour mettre 4 sous les? Et je vais payer parce que tout appel qui est plus bas que 20 minutes est gratuit. Je vais faire appel qui est plus que 20 minutes sous les. Et je vais faire appel qui est plus que 20 minutes sous les. Ce qui est important pour moi, c'est le numéro de téléphone que vous avez besoin de faire. OK. Et appel qui est venu gratuitement. OK, moun karelo parce que appel là c'est via internet li fait. Donc appel yo rentre gratuitement sur sur téléphone. Konya sou vle gen plus minutes pour parler, ça c'est ça son l'autre bagaille. OK? Ça son l'autre bagaille. OK, Jen and Chill, bien content wa Jen. OK. OK, Edni Aristide dit que li la donne. OK, bien content qu'on information Edni. OK, donc on va profiter de information qui ou même programme commencer bâtir modèle business ça. OK, donc voilà guys, tout c'est ça n'a nous couvri pour asseoir, mais espérer que ou même ou t'ai tiré au maximum profit de lui pour capable commencer avec modèle business ça. Nous décider pour information ça pour gratuitement et n'a camper là pour asseoir si nous va gagner plus question, juste commencer faire devoir nous guys, commencer mettre nous au travail, commencer mettre nous à mettre main à la pâte, sorte que avec modèle business ça, ou bien pour faire moins, OK? Puis faut effort que le mandé en ces jeunes supply prêts ou oui. Ça c'est pi et faut c'est partie qui pi difficile là, c'est joindre supply prêts ou oui. OK? C'est joindre supply prêts ou oui, c'est partie qui vraiment pi difficile là. OK? Il facile pour aller sur AliExpress ou je ne supply au travail ensemble avec nous juste mettre sur site là et puis bâton chocolat. OK? Ça facile. OK? Mais ou gagne un paquet d'autres bagages pour penser ensemble avec les qualités produits, hein, temps de livraison, customer qu'on va vendre produit, hein, OK? Surtout si c'est un produit qui high ticket. OK? Donc moi préfère même soit faire modèle ça AliExpress ou utiliser AliExpress dropshipping. Et c'est où est-ce que tu travailles dans un high ticket product. Et c'est où est-ce que tu travailles avec un high ticket product et dominer Google Ads, même lorsque Facebook Ads marche et tout, mais pas quitter. Si on fait Facebook Ads, fais en sorte que le produit n'a pas dépassé $80. OK, fais en sorte que le produit n'a pas dépassé $80. Parce que c'est la psychologie monde qui sur Facebook, yo, ne pas payer plus pour un bagage que pour monde que pour une plateforme que pas connaît, on va payer plus. À moins que ou sont on pas connaît un public figure, OK, ou c'est un coach ou son expert dans domaine qu'on est yo ou publiquement, donc pas de problème payer dépenser plus que ça si déjà ou gagne ta relation avec audience. OK, surtout monde qui fait digital marketing, le capable partager, capable parler de l'expérience ça. Donc c'est il fonctionne plus sur ça pour Facebook, mais en ce qui est avec e-commerce, OK, c'est vraiment difficile avec Facebook pour dépasser gamme et 180 $, à moins que ou c'est un brand qui est déjà connu qui est fait pour vous sur marketplace là, OK, et lorsque mon associé tout les senti que lui ouais que a priori tout son site que moun connaît et que moun respecte, all right, mais avec Google, OK, et moun yo prêt pour généralement dépenser anticasse plus avec Google Ads, OK, ça c'est expérience PAM personnellement, OK, OK, sorry guys, on met ça sur stream là. Ça c'est expérience PAM personnellement et entre différence entre deux plateformes comme yo, m'a raconté l'expérience de l'autre monde, donc même moi parle de l'expérience PAM. OK? So, ma soeur dit comme Venita, si ton appelant c'est pour qu'il y ait un numéro USA, exactement. Il va mettre qu'on est capable de gagner un numéro USA, OK? Que Gabriel, le numéro est capable de faire appel entrant gratis. OK? OK, pas oublier. Et puis, vous personne dit pour nous pas oublier Mastermind là. OK, pas oublier les gars, c'est 27 mars, samedi, 27 mars, dernier samedi, mois de mars là, que nous avons fait les. N'a fait pour moun ki an formation pour moun ki nan Facebook group noir ki nan groupe privé hein, la formation ça li spécialement pour moun sa yo. OK, côté que nous va parler de comment pour aborder et le changement qui va gagner dans iOS 14 là. OK, donc sans plus tarder n'a fini là pour asseoir guys, vous êtes tiré profit de live là asseoir là nous parler de high ticket e-commerce secret, ça c'est première partie dans live ça. OK, et sous intéressé ou même qui besoin maîtriser Google Ads, OK, pour capable et développer business ou online, pour capable développer business high ticket dropshipping online, et mes formations noires focus principalement sur les pour nous commencer avec Google Ads et ou capable aller sous les là dans le lien qui en bas qu'on est capable passer en bas écran. OK, so guys, m'a quitter nous là pour asseoir, take care, et nous connaissons formule là déjà.
nous connaissons formule là déjà, mais bon Dieu dans tout devant dans tout ça n'a fait et puis reste là, OK, as usual, c'est petit détail petit. Take care guys, n'a pas dans semaine là pour deuxième partie, c'est ça. À bientôt.